Désolé pour la tête, mec, ça va? J'avais que ça, t'étais devant moi. Putain, merde, désolé, mec. Salut mes petits cookies! Nous revoilà pour une nouvelle vidéo de Marèche. C'était dimanche 14 octobre sur le terrain d'Airsoft Underground à Anneux. Pour leur OP privée, c'est la dernière. Bon, ils se sont pas foulés. Hein. Fais gaffe dans les liners, hein. J'en ai deux. Je vais pas toucher là. Ah si. Nickel. 9h. 3h, pardon. Ah bah ouais. J'en ai eu un à droite. Aouh, j'ai mal pour lui. Eh, je t'ai touché, on a entendu le poc. J'en ai un à droite. Là, 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 viens, viens. Je l'ai eu. Allez, repars. Il y a un deuxième maintenant. Non, non, il y a un qui repart au spawn. Ça va. Ouais, bien vu. T'es prêt? 3, 2, 1, feu. On attend le poke, hein. Mais je te l'ai mis, là. Ouais, troisième. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un petit Highlander. Normalement. Ouais, non, mais même lui, hein. J'en ai mis deux avant. J'en ai deux ici, Gabi. T'en as eu un, l'autre se replie en arrière. Je l'ai eu. Je l'ai si tu veux. Il rigole lui. C'est bon, je l'ai eu. Là, il y a un mec, là, il y a un mec, par contre, il vient d'arriver, au fond. Ouais, je m'en occupe. Moins un. Dans cette OP, Marèche fait partie d'un groupe d'espions. Tous les coups sont permis pour perturber les joueurs. Ouais, non, il y a rien. Ouais, ça n'a pas fait. Tiens. Et de source, non, c'est bon, mec. Je sais qu'une des trois filles qu'on a, c'est une espionne. Une des trois? Une des trois. Okay. Et après, bah, on peut leur demander. Ah, s'il vous plaît. C'est impossible d'avoir les jetons, j'ai toujours pas fini avec ça. C'est le moment pour les jetons, c'est le moment. Ouais, ouais, bah c'est bon, on a tout donné. T'as tout donné, ouais, c'est qui là-bas? Gabi, viens, suivez-moi. Bon, les jetons. Chaque espion avait 5 jetons à remettre à l'équipe adverse, sachant qu'ils ne savent pas qui sont les espions. Pour rappel, les morts ne parlent pas et on ne parle pas aux morts. Le fair play est donc de rigueur. Quelqu'un d'autre? Vas-y, donne. C'est un par personne. Ah, tu prends tout? Ah, on attend, on attend, on attend. C'est bon, chacun, je crois. Et attendez, les gars, juste pour être sûr. On a un médecin? Il y a un médecin qui est là? Je vais vérifier Hunter. Pour brouiller les pistes, quoi de mieux que de rechercher les espions nous-mêmes? Hunter, t'es out. Est-ce que t'as des jetons sur toi? Bah non, tout. T'es sûr? Bah oui. C'est bon, je peux le soigner, y'a rien.
Quel bâtard. Fais... Non, mais... fais gaffe, y'a quelqu'un qui te regarde à droite. Devant, en droite. Allez, t'as peur. Ouh. À droite, il y en avait un. Ouais, à droite. Il est plus loin, ouais, je le vois. Tu les vois? Tu vois? J'ai celui de droite. Ah bah, trop tard. Bien joué. Eh, c'était mon kill, ça, Gabi. Il était pour toi, moi je l'ai pas celui de gauche. Vous voyez le joueur allongé tout au fond? Pas le mec debout, hein, regardez bien. C'est Shadow, une seconde avant l'impact. Touché! Elle est belle! Médecin! Maresh se fait soigner, mais les deux snipers sont toujours là. Va falloir être rapide. En jeu! Désolé pour la tête, mec, ça va? J'avais que ça, t'étais devant moi. Ça va? Ça va, mec? Putain, merde, désolé, mec. Bon, je recule. Je venais pour voir si ça allait. Et quoi? Ouais, bah, je vais me reculer quand même, parce que sinon, je vais bloquer le jeu, là. Ouais. Ouais, désolé, y'a que ça qui est en visu. Ouais. Les gars! Les gars! Oh à gauche! Eh oh, les gars! Les espions retournent leur veste et aident l'équipe adverse. C'est le moment de faire une petite frayeur à Shadow. Shadow, t'es out? Non, je déconne, mec, je te tire pas dessus, on est de la même équipe, tu es espion. Ah ouais? Je t'ai pas fait le coup de couteau, t'inquiète. Mais j'aurais pu! Tu aurais pu. N'oubliez pas de regarder la vidéo de Shadow sur cette partie et de vous abonner à sa chaîne. Vous y verrez peut-être Maresh dans sa lunette. Le lien est dans la description. Il y a du monde. Tu l'as vu? Dans les 1 heure, Shadow. Assez loin, dans les 70 mètres. Touché. J'aime bien les espoirs comme toi. Bonne partie! Petite dédicace à Ferry qui a une fâcheuse tendance à vouloir se jeter par terre à des endroits improbables. Elle voulait peut-être juste faire une petite sieste. Ça va? Bah, quelqu'un avec nous, allez! On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur le petit pouce bleu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, partagez la vidéo et abonnez-vous. Pour vous tenir au courant des dernières news, likez la page Facebook. Et le Discord est là pour que vous puissiez venir échanger avec nous. Ciao tout le monde! Au fait, c'était Twinkie. Et je vais aller faire une petite sieste.